Non, ça n'a pas l'air de beaucoup l'impressionner. Il avait pris une belle avance, Krijanovski, sur sa première série, car il avait fait, il avait atteint un niveau de difficulté supérieur. Il était à 10.2 et Dijk devrait nous faire une série, celle qu'il a annoncée, à 11.4 de difficulté, c'est-à-dire encore bien supérieure à ce que l'on a vu tout de suite. Mais le pourra-t-il ? Va-t-il réussir ce challenge ? On va le savoir tout de suite. Regardez bien. Attention. Mètres 25 mètres pour l'exercice, 6 mètres pour la réception, c'est parti. Demi, tempo, deux tendus, tempo, flip. Oh, triple arrière coupé avec une brise dans le premier salto. Bien fixé. Une merveille, une pureté de technique. Non, ça va. Le truc, il s'était un petit peu fait mal aux chevilles à l'atterrissage. Ah, il s'est fait plaisir surtout. Grand sourire. Hein. C'est de l'adrénaline à l'état pur. Ah oui, avec... On peut voir. Alors, regardez bien. Allez, de demi-tour, le tempo. De tendu. Magnifique. Bien exécuté, aucune faute. Ça va vite vers l'arrière. Ça se place une vrille et double arrière groupé ici. Fabuleux. Les genoux un tout petit peu à terre, il était un tout petit peu bas. Les juges, bien sûr, l'auront, eux, remarqué. Vous voyez l'élévation. Il faut que le gymnaste soit parfaitement tonique sur ses réceptions pour ne pas s'écraser. Vrille et deux tours groupés, il faut le faire. Ce n'est pas rien. Mais vous aurez eu la chance de découvrir, en tout cas, cette nouvelle discipline. Ah, c'est du haut niveau, hein. Qui, j'espère, vous aura plu. Voilà, apparemment, il n'y a pas de doute. On va attendre la note. Hein.